absolument époustouflante, Julie de Bonne a fait monter la température sur la toile. Ce 6 août, la désormais célèbre comédienne prend la pose sur son compte Instagram. Sur un magnifique cliché en noir et blanc, la jeune femme s'affiche effectivement en maillot pour le plus grand bonheur de ses abonnés. Publication très remarquée sur laquelle l'objet revient peu. Âgée aujourd'hui de 40 ans, Julie de Bonne est une actrice confirmée. Depuis de nombreuses années maintenant, la jolie brune multiplie effectivement les apparitions à l'écran et sur la scène. Après des études au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier, son arrivée à Paris lui a permis d'enchaîner les petits rôles. Entre ses passages au café-théâtre et sa participation à une série telle que TheHeurTheRest.com, la jeune femme commence tout doucement à se faire rapidement. Les producteurs s'intéressent à elle avec comme résultat des propositions qui, au fil des années, Julie de Bonne apparaît ainsi dans un grand nombre de fictions avec notamment un passage très remarqué dans Une famille formidable. Personnage principal du feuilleton Le Tueur du Lac sur TF1 en 2017, elle ne délaisse pourtant pas le théâtre où là aussi elle est très active. La même année, le public peut alors l'applaudir sur scène aux côtés de Pascal Légitimus et de Claire Nadeau au Théâtre des Variétés. Un parcours qui l'amènera finalement à interpréter cette année le rôle de Florence dans la série Plan B. Mais si la comédienne brille littéralement à l'écran, sa présence sur les réseaux sociaux ne passe pas non plus inaperçue. Sa dernière publication sur Instagram n'a ainsi pas manqué de susciter un grand nombre de réactions positives, comme vous l'explique immédiatement une publication compartida de Julie de Bonne, @juliedebonne, absolument discrète sur sa vie privée. Julie de Bonne n'hésite pourtant pas à l'occasion à se dévoiler. Suivie par plus de 150 000 abonnés, elle se montre effectivement plutôt généreuse avec ce qu'il a. Au mois de juin dernier, elle partageait d'ailleurs avec le public quelques clichés de l'un de ses récents apparitions qui avait créé l'étonnement en raison de l'incroyable chevelure blonde arborée par la comédienne. Et si aujourd'hui, Julie de Bonne refait la une de l'actualité ce 6 août, c'est pour une toute autre raison. Objet co vous révèle laquelle. Avant de reprendre le chemin des plateaux à la rentrée, l'actrice a effectivement décidé de s'offrir quelques jours de vacances. Pourtant, malgré cette période de détente et de relaxation, Julie de Bonne a choisi de ne pas totalement se déconnecter des réseaux. Elle profite donc de ce petit voyage pour publier un cliché sur lequel elle apparaît tout simplement ravissante. Vêtue d'un très simple et très élégant maillot noir, elle s'affiche effectivement à l'écran dans une publication en noir et blanc qui ne manque pas de créer l'intérêt. À peine sortie de l'eau et les cheveux encore mouillés, la star prend ainsi la pose tel un véritable mannequin. Il n'en fallait donc pas plus pour que les commentaires se multiplient rapidement. Une publication compartida de Julie de Bonne, @juliedebonne. De toute évidence, Julie de Bonne a pu compter sur une communauté très fidèle pour l'encenser. Les avis de ses abonnés semblent tous aller dans le même sens concernant cette photo. Sublime femme, tout en naturel. Absolument magnifique. Toujours aussi ravissante, magnifique et sublime, sans retouche enfin. C'est très joli en noir et blanc. Tellement naturel. Bonnes vacances, divine en résumé, une unanimité parfaite. Seul un internaute paraissait plus intéressé par sa posture que par sa silhouette et son joli visage. Ce fan a effectivement remarqué que la célèbre actrice tient sa main sur l'abdomen, une main sur le ventre. Une bonne nouvelle à m'annoncer. Une question à laquelle la principale intéressée n'a pourtant pas décidé de répondre. Une publication compartida de Julie de Bonne, @juliedebonne. Julie de Bonne ne semble pas du genre à s'épancher sur sa vie privée. Toujours très discrète, elle ne dévoile rien au point de n'avoir jamais révélé ni le nom ni le visage de son compagnon. La seule information fiable à son sujet est que la belle quarantenaire est devenue maman le 13 août 2018 comme elle l'annonçait elle-même sur son compte Instagram. Mais à l'exception de cette révélation, rien ne filtre. Une manière de donner raison au dicton qui affirme que pour vivre heureux, il vaut mieux vivre cependant, caché. La comédienne accepte de s'afficher aujourd'hui sur la toile sur un cliché qui a le mérite de mettre tout le monde d'accord sur son élégance et sur sa grâce.